Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Siphano, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Zelda Skyward Sword. Et aujourd'hui les amis, enfin j'ai envie de dire, nous allons pénétrer dans le premier temple du jeu. Je sais qu'il était attendu et nous allons pouvoir démarrer. Juste avant, petit résumé de l'épisode précédent. Nous avions trouvé tous les petits quiz, nous les avions pas ramenés mais disons... nous en avions informé le grand chef, le vénérable. Et à la suite de ça nous avions eu... le lance-pierre, qui se trouve ici, arme bien sympathique, qui nous avait permis d'accéder donc à cette zone devant le temple qui se trouve ici, le temple de la forêt. Je sais plus si c'est son vrai nom, je ne crois pas. Et pour finir, en petit bonus, vu qu'on avait activé les cubes de la déesse, eh bien nous étions retournés à Célesbourg pour avoir un fragment de cœur, une sacoche supplémentaire, ainsi que, pour terminer... notre beau petit filet à papillon qui se trouve ici, qui nous servira plus tard. Bref, voilà. Donc maintenant les amis, il est temps de pénétrer dans le temple de la forêt. Cette porte est scellée. Je fais comment moi? Ouvre-toi. Merde, je me rappelais plus de ça. Attendez, j'ai loupé un truc ou... ça se passe comme... ah! Ah! D'accord. Ok. Elle était bien planquée. Go! Yeah! J'adore le petit cristal qui s'ouvre comme ça. Et du coup... yeah! La porte s'ouvre. Donc ouais, ça me revient maintenant. Vous constaterez souvent qu'à chaque temple, il y a des petites énigmes pour rentrer. Regardez ça, les expressions du visage, la musique. J'adore tout. On est parti. Tant, 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 tant. Et déjà, on peut voir que l'ambiance du temple est assez sympa. Bien que... bon, je vais rien dire, vous allez voir. Regardez ça comme c'est beau. Ah oui, c'est ça le nom. Temple de la Contemplation. Maître, Fay au rapport. Je ressens les auras maléfiques de nombreux monstres dans ce temple. Il m'est impossible d'isoler celle de Dame Zelda pour la localiser. Vous ne pourrez donc pas utiliser la fonction détection dans cette zone. Maître, je vous recommande d'analyser la situation à l'aide de la vue subjective. Bien. Donc nous voici dans le temple. Le premier temple du jeu. Donc là, on repasse sur, une partie, on va dire, assez classique des Zelda, les temples. Mais qui, vous allez voir, sont vraiment très sympas. Mais forcément que là... allez, barre-toi, toi. On va en avoir. Libère-toi. Ah! Voilà, on casse tout. Ça va être, on va dire, un petit peu plus complexe, étant donné que le gameplay est plus riche. Et les temples sont pas forcément durs, mais... déjà, je me rappelle plus des masses, étant donné que j'ai fait le jeu qu'une fois, je vous l'avais dit. Et... il va falloir pas se foirer. Là, on rentre vraiment dans le dur. Les temples, c'est assez long, je pense pas qu'on pourra tout faire en un épisode. Je sais pas trop à vrai dire. Est-ce que si je fais ça comme ça, ça peut pas m'aider à péter ça plus vite? Non, pas du tout. Du coup, il faut que je coupe. Voilà, comme ça, un bon petit passage. Barrez-vous. Hop, on va prendre quand même le rubis, ça peut toujours servir. La perle d'ambre, comment je peux l'avoir? Attendez. Non, je peux pas l'avoir. Ça doit être... ah non non, je sais. Bon, c'est pas grave, on oublie ça. On oublie ça pour le moment. Je ne vais pas spoil bien évidemment. Alors qu'est-ce que c'est que c'est? Pourquoi c'est plus rouge par là? Je me rappelle plus, c'est fermé ici. On n'est pas encore dans la salle principale du donjon, je pense que vous le voyez. Ah, par contre là la Wiimote va être mise pardon, à rude épreuve. Oh la vache. Salut. Est-ce que je peux te... voilà, go. Et maintenant... hop là, voilà, parfait. Parce que j'allais dire, sinon je vais me prendre un gros coup. Donc ceci, on l'active. Ah et là, je me sers à mort de l'épée, là, ça y est, on est parti. Hop. Première petite porte d'ouverte. Ah, et on retrouve les belles petites musiques, là, qu'on adore tant dans Zelda. Ouverture de la porte. Wow, je me rappelais même plus de cette salle. Je me rappelle plus du tout de ce temple. Enfin de tous les temples en fait, je me rappelle plus. Enfin très peu, hormis peut-être les boss et tout. Donc là ouais, c'est fermé. Donc il faut que j'utilise. Donc forcément on a eu peut-être petite particularité. Enfin je sais pas si c'est une particularité mais... Ah oui alors. Non. Et si je fais ça comme ça? Ça marche comme ça? Non. Ah ah. Comment l'avoir? Non, j'arrête pas de tirer en plus. On est face à un problème. Ah, je sais peut-être. Enfin, je sais peut-être. Non, je sais pas en fait, mais... Est-ce qu'il n'y a pas une histoire? Raté. Est-ce qu'il faut pas que je fasse un tour peut-être? Comme ça? Oui c'est ça, voilà. Ok. Nice. Il fallait le faire... Donc là j'étais en train de bouger la Wiimote comme un débile. Ça a marché, nickel. Petites énigmes bien sympas. Et là normalement si je dis pas de bêtises on arrive dans la grosse salle. Bah non toujours pas. Pff, je me rappelle plus. Je me rappelle tellement plus. Hop, vous dégagez. Ça ce sont des mines, donc on dégage. On attend qu'elles explosent, hein, on va pas... Hop, il y a un petit cœur. Toi. Ah voilà, ça j'ai bien pris le coup maintenant, ça commence à... Hop. Débarrasse-toi. Débarrasse-toi. C'est bon. Ok, on les a tous eus. Hop, on récupère un petit peu, voilà. Des munes. Ah, si, là on arrive dans une belle et grande salle. Wow. C'est spécial, toi. Vas-y, barre-toi. Alors, je peux sauvegarder ici. Oh, les araignées et tout. Bah, Burk. J'aime pas ça du tout. Alors, où est-ce que je peux aller pour le moment? Là, c'est fermé. Là-bas, il me faut une clé. En fait, le seul endroit auquel je peux aller pour le moment, c'est ici. Hop. Parfait. Ouverture de la porte. J'adore tellement ce bruit les amis, vous le savez je crois. C'est tellement kiffant. Beaucoup de petites salles pour le moment, on progresse bien. Alors barre-toi, toi, toile d'araignée dégueulasse. Voilà. Il y a certainement d'ailleurs peut-être des... Ah Comment je peux... Vas-y donne-moi de l'aide. Maître Link, j'ai détecté près de nous quelque chose que vous pouvez cibler. Lorsque vous ciblez avec Z, vous m'appelez, je vous donnerai plus amples informations. Oui, bah vas-y, donne-moi des informations. La cible verrouillée est une sculptula, sans blague, ça j'avais compris. Cette arachnide est mesurée sur terre, sa technique d'attaque préférée consiste à immobiliser ses victimes dans sa toile. Son point faible est dissimulé dans son abdomen, sous sa carapace. Oui, mais... Vous en avez vaincu 0, je ne peux pas analyser. Ouais. Je sais que c'est dans son abdomen, mais comment? Ça ne marche pas. Donc en gros, non, pour le moment, je peux rien faire, en fait, tout simplement. Oula, j'aurais peut-être pas dû descendre. Ah, arrive-vous. Parce que je sais bien que, mais d'habitude, elle se retourne toute seule dans les anciens Zelda. Et là, putain, je sais tellement plus comment on fait. Vas-y, barre-toi toi aussi, donc ça c'est fait. Au retour, on va tout explorer de toute manière. Ça c'est clair. Là il y a un chemin. Il est temps d'y aller. Tant pis pour le petit rubis. Hop. J'aime bien, on gise un petit peu dans l'eau et tout là, c'est swag. Ah ouais alors. Le truc étant... Parce qu'on voit bien... Ah si, il y a un cristal. Il y a des lianes aussi sur le côté, mais pour le coup, les lianes... Ah d'accord, ça remplit le niveau de l'eau, ouais. Du coup ça va nous libérer des passages. Ah, et on peut sortir de ce fait par la liane, parfait. Ah vas-y bondis. Bon, j'espère pas louper grand chose. Ça on verra en temps et en heure. De toute façon je peux pas passer en fait pour le moment ici. Derrière après le pont est cassé donc pour le moment je ne peux pas aller plus loin. Ça sert à rien que je me prenne trop la tête. Agissons de manière logique les amis. Agissons ouais, de manière logique. Ce sera plus simple. Alors l'eau maintenant. On a monté le niveau de l'eau d'un petit cran. Il a vraiment monté d'un cran là le niveau de l'eau? Ça s'est arrêté là non? What? Bon attendez, déjà on va aller là. Mais on est d'accord que le niveau de l'eau là il y a un problème. Merde, à chaque fois j'ai le réflexe. J'ai pas été assez rapide c'est ça? Peut-être. Grave, voilà là on peut le casser ça. Et ça mène. Ah. Mais c'est l'entrée là non? Attendez. Allons vérifier. Je voudrais pas passer. Oui si si c'est l'entrée d'accord. Ouais c'est juste un petit raccourci, très bien. Du coup on s'en contrebalance pour le moment. Hop. Alors à ce niveau là en l'état actuel. Eh oui l'eau sortait de là. J'ai pas été assez rapide c'est bien ça. Ok très bien. On va la refaire. En fait il faut que je revienne. Ah est-ce que c'est cassé? Oui. On va voir ici. Ah non ici c'est bon pourtant. Merde. Merde. Putain, je bloque sur les premières énigmes du temple, quoi. Vous croyez? Parce que le truc étant que là, le niveau d'eau est monté. Ouais, faut que je trouve un moyen. Ah, mais attendez, j'ai peut-être la solution pour elle. Oui, voilà. Voilà, je m'en suis souvenu, je sais pas, d'un coup j'ai eu un éclair qui m'a fait me souvenir que en les balançant comme ça, ça pouvait marcher. Et donc ici il y a écrit quoi? Les portes des pièces latérales s'ouvrent lorsque les joyaux sont frappés. L'un est en haut, l'autre est en bas. Alors là-bas il y a un coffre. L'un est en haut, l'autre est en bas. Alors attendez. Attendez. On va aller du coup sur le seul chemin possible à l'heure actuelle. Enfin, possible. Déjà, on va aller sur ce tronc là. Mais, non, attendez, on va explorer cette zone sous-marine. Il n'y a pas, voilà, un interrupteur caché sous un pont par exemple. Ça arriverait pas, c'est un truc pareil, ils oseraient pas. Si ? Tu peux grimper, tu peux pas grimper, d'accord, super. Eh bien écoutez les amis, nous sommes bloqués, j'ai. Hop. Attendez. On va. L'un est en haut, l'autre est en bas. Lui on l'a activé. Pas quelque chose en hauteur que j'aurais raté moi. Un coffre, par exemple. Mais je ne peux pas grimper là. D'accord. Là non plus je ne peux pas grimper. C'est une toile d'araignée. Et du coup il y a un souci en fait. Enfin un souci. C'est que normalement... Ça, on l'a vu dans la cinématique, c'était monté. Ça c'était monté en hauteur et j'aurais pu, je pense, m'accrocher. Du coup, là, je m'en trouve un peu comme un con. J'ai dû louper un truc, c'est pas possible. Ah, c'est... Oh, putain! Oh, le truc de fourbe! Ah, ben voilà! Oh. Faut vraiment explorer dans tous les recoins, c'est... Oh là 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 là. Bon, on n'aura pas du tout galéré. Mais c'est bien, les donjons sont compliqués de toute façon, donc... Il faut se creuser un petit peu les manèges pour trouver. Je trouve ça plutôt sympa. Alors, du coup, on a fait monter le niveau de l'eau une fois. La grille s'est refermée en fait, tout simplement parce que le niveau de l'eau avait suffisamment grimpé. Moi j'ai cru qu'il y avait eu une sorte de bug ou je sais pas quoi. Alors eux, ils sont un peu embêtants eux, voilà. Hop là, parfait. Ils sont un peu embêtants. Mais en fait ouais, la grille s'était juste refermée parce que le niveau de l'eau avait grimpé. Alors toi... Comment... Ah ouais d'accord, super. Par contre j'ai cru voir un truc là-haut. Ouais, il y a des lianes. Des lianes à débloquer. Est-ce que tu peux tomber? Non, tu tomberas pas jusqu'en bas, tant pis. Dommage, j'ai cru. Donc là il n'y a rien a priori, je vérifie qu'il n'y a pas un cristal ou quoi. Alors, est-ce que de là... Oui, je peux attraper la liane de là. Oui. Ah bah oui, je vais t'avoir par derrière. Ok. Oula, alors attendez. Elle. Ah. Vas-y, viens, attaque. Sérieusement, elle m'énerve. J'aime pas celle-là. Au pire, vous savez quoi? Et mince. Ah! Ça y est arrivé. Ah non. Ah! Ah voilà! Elle referme trop vite la bouche en fait. Allez! Voilà. Pas du tout galère quoi. Alors toi maintenant. Hop. Hop, voilà. On pète la toile d'araignée en passant. C'est bon. Et toi la même. Voilà, et on pète la toile d'araignée. Ouais juste. Voilà, comme ça au moins. Ça la pète bien. Non, là-haut. Ah non, c'est bon. Ça passe sans me bloquer. Ok, parfait. Y'a quoi là? J'ai cru. Ah, ok, il est là. Du coup, là, ça devrait faire monter encore un peu le niveau de l'eau. Voilà, parfait. Et la grille va se refermer une fois que le niveau de l'eau sera bon. Vous voyez, parce qu'on la voit pas se refermer. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai cru qu'il y avait un espèce de bug ou autre. En même temps, un bug sur un Zelda. Voilà quoi. Ça arrive pas souvent, on est d'accord. Mais bon. Je sais pas, ça aurait pu. Ah, carrément, nickel. Du coup, hop, on récupère en plus ce coffre-là. Qui nous tendait les bras, c'est magnifique. Et on a la carte du donjon. Vous pouvez examiner la disposition des lieux et localiser les pièces que vous n'avez pas encore visitées. Parfait, alors voyons voir un peu. Ah, eh, on voit Zelda, yeah. L'emplacement des coffres est également indiqué. Prenez le temps d'y jeter un œil. Parfait. Maître, Fay au rapport, vous avez obtenu la carte de cette zone. Appuyez sur plus pour la consulter. Vous pouvez y vérifier l'emplacement des symboles. Des symboles croix, on va dire. Ainsi que l'état et l'emplacement des portes et des coffres. Cependant, comme cette zone est fermée, veuillez noter que l'utilisation des balises est impossible. De toute façon, je sais même plus m'en servir. Hein. Pas grave. Alors, voyons voir. Jetons un peu plus un œil. Alors, c'est quoi déjà les... Y a pas moyen d'avoir une légende. Les croix, c'est quoi? Ah, les croix, c'est les cristaux, non? En tout cas, si c'est pas les cristaux, ça ressemble à... Si, si, c'est les cristaux. Là, c'est les statues. On a un coffre ici, qu'on va bientôt pouvoir aller chercher, qui doit contenir la clé pour ouvrir ça. Et après, il y a encore pas mal de coffres avant Zelda. Ouais. Bah, écoutez, je pense que on va finir cette zone pour aujourd'hui, et on attaquera la deuxième partie. C'est un peu ça, au final. Hein. C'est un peu en deux parties. Il y a cette zone-là, plein de petites salles, et ensuite la grosse zone. Ouais, donc on va essayer d'avoir déjà ce coffre. J'ai fait monter le niveau de l'eau, donc normalement, maintenant je peux accéder ici. Oui, voilà, parfait. Bon, bah, ça va, on sait où aller. En revanche... Oh merde. Comment je vais faire maintenant vu que j'en ai plus? Va falloir que... T'es sérieux là? T'es sérieux? Comment je... Oh. Ah. Petite astuce là. Voilà. Alors, please. Comment je fais ça? Voilà, parfait, merci. Hop. Lâcher. Nice, voilà. Et donc ici, on va pouvoir arriver... Je peux pas... Ouais, bon, des cœurs, je veux bien, mais j'aurais plus aimé des graines. Non, vous voulez pas? Bon, très bien. Faudra en retrouver ailleurs. Alors, on ouvre. Et donc, on arrive de ce côté-là. Parfait. Avec le coffre. À part le coffre, il va falloir buter elle, par contre. Pas un problème. Aïe. Hop là, voilà. Et donc normalement la porte s'ouvrira. Ah non. Il y a les yeux. Alors. On bouge, 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 allez. Ouais, on va pas le viser, ce sera mieux. Hop, hop, allez, pète un câble. Allez mon gars. Non sérieusement, pourquoi il veut plus là? Allez, 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 allez. Ou alors c'est dans l'autre sens peut-être. Dans ce sens là j'ai l'impression qu'il tourne mieux. Allez. Mais sérieusement pourquoi il veut plus? On fait des mouvements amples ou ça se passe comment? Sérieusement, je vous jure. C'est du foutage de gueule, pourquoi il veut plus? Allez, allez, voilà, là on le tient, là on le tient. Allez, allez. Non, t'es sérieux? Attendez, putain, mais sérieusement. Vas-y, donne-moi des infos là, parce que... C'est un gardien créé à partir d'une force maléfique, il a tendance à suivre du regard la pointe des objets effilés. Ses yeux sont reliés à les uns aux autres, il est probable qu'il soit impossible de leur donner le tournis un par un. Ah, ok, voilà pourquoi je n'y arrivais pas. Alors, vous voyez, elle est utile, Fay. Alors du coup, les gars, voilà, là vous me tenez tous les deux. Voilà, là vous allez avoir le tournis ensemble. Voilà, oui, voilà, je me disais quand même, il faut tourner vachement longtemps là pour ouvrir. Hein. Et du coup, c'est parfait, c'est ouvert. Bon, eh ben normalement là-dedans, on va avoir une clé. Qui nous permettra d'ouvrir la porte. Nice, vous avez obtenu une petite clé. Elle vous permettra d'ouvrir une porte verrouillée. Vous ne pouvez l'utiliser que dans cette zone. Nickel. Bon, eh ben écoutez les amis, j'ai tendance à... Parfois dans les anciens Zelda, ce que j'avais coutume de faire, c'était souvent m'arrêter une fois qu'on a l'objet du donjon. Mais ce Zelda là est pas fait exactement pareil. Je me rappelle même plus s'il y a des mini-boss ici, vous voyez. Peut-être quand même, je sais plus. Mais par rapport à la carte, vous voyez, je me dis voilà, on pourra ouvrir cette salle. Et du coup, après il nous restera cette zone, ça fait à peu près moite-moite. Là c'est les plus grandes salles, on est d'accord, mais... Là, vous voyez, on a fait, enfin, je sais pas, il y a eu plein de portes et tout qu'on a passé. Donc non, je pense que c'est vraiment le bon moment pour s'arrêter. Surtout que j'ai un point de sauvegarde, donc je vais pas m'en priver. On se retrouvera donc la prochaine fois pour continuer à a priori terminer ce temple. Du moins je l'espère quand même, parce que bon, on va pas non plus passer 15 épisodes dedans. Ou alors peut-être qu'on se réservera le boss, on verra, mais bon. Normalement on s'arrêtera là. Et du coup j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à laisser un petit j'aime avant de partir. Et rendez-vous dans quelques jours donc pour la suite. Allez, bye tout le monde.